Donc nous nous retrouvons à nouveau à Avignon-Nord, où le dernier reportage que vous avez fait, la cabane avait tenu, on va dire, 48 heures. Et on va dire qu'à nouveau, Avignon-Nord, on reconstruit une cabane. Ils viennent de me dire que c'est la 8e. Ce qui veut dire que c'est pratiquement, je crois que c'est une des premières en France, où on voit qu'ils en sont à la 8e cabane qu'ils ont reconstruite. Et ils m'ont dit, si celle-ci est détruite, elle sera à nouveau reconstruite dans les 24 heures. Donc moi je leur ai dit, écoutez, quand je parle de vous, pour moi vous êtes des gladiateurs, parce que vous n'avez peur de rien, on vous détruit, vous reconstruisez, bravo à vous messieurs. Alors on va vous faire visiter un petit peu les lieux, vous allez voir que chaque fois qu'ils la reconstruisent, ben, elle est de mieux en mieux. Donc dans pas longtemps, peut-être pratiquement, on va arriver à ce qu'on ait un nouveau Élysée. On a tout le monde. Non, c'était monté hier soir. Je peux pas faire une incrustation là. Le tour des cabanes par Macron. J'ai deux enfants. Macron ne pourra pas dire que je suis un chômeur, mais je suis un citoyen qui fait ça pour vous et pour les miens. Maintenant, votre retraite, elle est de combien? Vous espérez avoir 1200 euros?
Mais si ça tombe à 700 euros, monsieur, vous allez faire quoi avec la conjoncture qui augmente, l'essence qui augmente, vos mutuelles, vos risques, vous allez faire quoi? Marcel ? Oui ? Vous avez fait mai 68 ? Mai 68 sur les barricades, ouais, ben à Paris. Et ben à l'époque, dépendait nos droits, parce que ben, c'était à l'époque du général de Gaulle. Et on dépendait notre pouvoir avec les étudiants qu'il y avait, voilà, on a manifesté, ben, comme c'était une manifestation pacifique, mais après toujours pareil, hein, c'est le. Et la violence, après amener la violence, et voilà, et ça a été parti pris. Et là, à l'heure actuelle, ben, puis aussi, je suis là, à l'âge que j'ai à 72 ans, et ben, je suis là pour défendre mon droit, comme tous, et pour défendre aussi les enfants, et les petits-enfants que j'ai par derrière. Donc vous m'avez dit que votre retraite, sans arrêt. Ma retraite, ben, à l'heure actuelle, ma retraite est de 1200 à 1300, et mon retraite est quand même 50 euros par mois. Hein. Voilà, tout le temps que j'ai travaillé, je dis, depuis 14 ans, j'ai arrêté, j'avais 65 ans. Voilà, et je vous dis, je trouve ça que c'est pas normal d'enlever sur les petites retraites modestes comme on a, d'enlever 50 euros, alors qu'il y a des gros capitalistes avec des gros capitaux, que ceux-là, ils sont mieux logés que nous, qu'on ait nos revenus modestes. Est-ce que vous êtes rentré dans le conflit depuis le 17 novembre 2020? Tout à fait, on était, là il y avait mes amis, ils peuvent le dire, j'ai jamais rien manqué, j'étais sur le rond-point de Blacher, et j'ai toujours, alors sans participer aux violences comme il y avait certains endroits, mais depuis le premier jour, j'étais sur le conflit. Et d'abord, on m'a surnommé plusieurs endroits, Marcel Redoutable. C'est un surnom qu'on m'a donné tout le temps, je veux dire, sans vraiment tout casser et tout. Voilà. Mais la première heure, voilà, depuis novembre, depuis le premier conflit, j'ai toujours été sur les qui-vivre. Je m'appelle Bellucci David, je suis candidat à la mairie de Sorgues sur une liste sans étiquette et composée de Sorguais. Hein. Puisqu'en tant que chef d'entreprise, quand je reçois un client, je ne lui demande pas sa couleur politique. Donc je suis là pour résoudre les problèmes de tous les Sorguais. Est-ce que vous avez un programme déjà un petit peu préétabli? Alors nous avons distribué une lettre de présentation où il y a un ensemble de propositions. Et le mardi 10, j'ai une réunion publique pour inviter les gens à débattre de ces propositions et de sélectionner, bien entendu, en fonction de leurs choix, les souhaits que les Sorguais vont choisir. C'est la première fois que vous allez rentrer dans la politique ou non? Je n'ai jamais fait une heure de politique de ma vie. Et si je rentre aujourd'hui en politique, c'est parce que je constate que ma ville est dans un état, on va dire, délabré. Et c'est une ville qui a quand même des ressources économiques et des moyens. Donc je pense qu'on peut mieux faire que ce qui est fait aujourd'hui. Dans votre programme, non? Vous pouvez me parler un petit peu de... Alors, pour vous parler un petit peu du programme, on va dire que la priorité, ben, ce sont d'abord les jeunes. Hein, pour la bonne et simple raison que j'ai toujours dit qu'un arbre, quand il pousse droit, c'est plus facile. Donc, si on éduque les jeunes de 1 an à 18 ans, on dira qu'ils sont droits pendant les 80 années qui suivent. Par contre, si l'arbre pousse en travers au départ, on aura des gens qui seront incivils pendant la durée de leur vie. Hein, des vols, des incivilités... Vente de produits illicites, etc.
Et deuxième point où les sorgués sont unanimes, ce sont les parkings et les stationnements en ville. Donc pour vous, vous voudriez que les parkings et les stationnements en ville deviennent libres, on va dire. Non, ils sont libres à Sorgues. Les parkings ne sont pas payants, mais il n'y a pas assez de places. Donc il faut générer des espaces et réorganiser la circulation en ville pour générer de l'espace et des places supplémentaires, notamment des places d'handicapés, puisqu'on en a fait encore aujourd'hui la remarque. Parce que pour vous, le fait d'un manque de parking, ça envoie, on va dire, les clients, on va dire, les personnes dans la grande ville. Ah ben, le manque de parking, vous savez, c'est, les Américains disent no parking, no business. Donc si vous n'avez pas de parking, eh ben, aujourd'hui vous êtes sur le rond-point d'Auchan et vous constatez que les magasins et les voitures, il y en a de partout, c'est plein de partout. Sauf que les centres-villes périssent et meurent au fur et à mesure de l'évolution du temps.